Et on se retrouve de nouveau pour la VOD. Je crois que Karn a descendu le petit escalier, la rivière de feu. J'attends en haut. Bah, je peux pas avancer, je crois que tu me coinces. Ah, mais t'es descendu aussi. Ah oui, c'est ça, tu me coinces, ok. J'attends que tout le monde soit là. Ouais, c'est ça, vous ne passerez pas. Tant que tout le monde ne sera pas là, vous ne passerez pas. Non, mais ça veut dire que les personnages se coincent, ça c'est cool. Le petit sanctuaire d'XP, il est pour moi. Bordel. Ah ouais, il y a les drains de mana, ils ont fait mal aussi. Ah ouais, il y a du poison, il y a le mana, il y a tout là. Ah là, on voit qu'il fait du dégât là, mon petit truc. Bon, on voit que quand Karn vient taper, c'est plus la même, mais. Je me suis quand même senti pas trop inutile. Après, c'est Karn le fait long. Hein. Non, mais après, en fait, on est mieux avec ça. Pardon, vas-y. On est d'accord hein, que là, je joue absolument pas opti, je tape dans le tas, je réfléchis pas trop. on est pas sur la partie en infernal. En plus, en normal, à 3 joueurs, on peut faire un peu ce qu'on veut, ça passe normalement. Ouais, bah on voit. Hein. J'ai envie de dire, bon, quand il y a un petit peu de monde, éventuellement on souffre un peu, mais enfin, contre Mephisto ou Duriel et tout, on n'a jamais eu trop. Non, globalement ça va. Ah bah, Duriel était plus costaud quand même, hein. J'ai pris pas mal de potions moi. J'arrivais pas à récupérer assez de vie quand je tapais. Truc d'Amazon, non? C'est un javelot. Tu peux prendre ça toi? Merci. Ah ouais, tu peux prendre ça. Bah, vas-y, prends. Attendez-moi! Mon sanctuaire d'expérience! Normalement, tu en profites quand même. Hein. Ouais, c'est ouais, côté, t'en profites. Tant que je suis pas trop loin, ouais. Mange et crache les cadavres. J'aime cette description, n'empêche. Tu peux en poser autant que tu veux des pièges de feu, y a pas une limite. La limite, c'est la mana. Si, si, y a une limite, je crois que ça va être 5. Après, les premiers disparaissent. Ok, d'accord. De toute façon, je peux pas en poser 5. Mais... là où j'en suis. Oh le. Tas de mobs quoi. La vache. Allez, on va maudire ouais, un peu tout ça. Je peux en poser 4. Bon, ça se nettoie. Et où Diablo là? Ah là, on va chercher d'abord la forge avec. Ouais, pour casser forgeron. Les. Il nous faut le marteau sauts, pour ouais. Casser les trucs. Ouais, et puis après, faut ouvrir tous les seaux et tuer les champions pour que Diablo y sorte. Et tuer les champions avant que Diablo sorte. Ouais. Le petit détail. Voilà, maintenant il remonte trop vite. J'aime pas ça quand il remonte trop vite. Parfait.
crois qu'il y a Matt qui est parti de l'autre côté. Non, il a pas fait ça. J'avais caché la carte. Ah oui, il a fait ça. J'étais en train de... Ah purée. Tiens, il y a un charme 30 d'endurance, si ça intéresse quelqu'un. Oh non. 30 d'endurance, non j'avoue. Ouais. On est pas sur un ça truc un ultra... Ça fait un peu de peine, hein. Tu chopes un charme, tu dis c'est cool, je le refais, et tu l'identifies, tu pleures. Tu dis putain, avec mon ADSL, j'ai réussi à choper un charme avant que Karn le ramasse, là, et bim. C'est ça. C'est limite si t'as pas les... le petit message des développeurs qui se moquent de toi juste après. T'as... Ouais, ça serait marrant, tu l'identifies, puis là t'as un petit truc qui apparaît sur ton écran. Le gros c'était troll, dans le... quoi. C'était dans le jeu de Nintendo, là, avec... vous avez connu ça, où on tire sur des canards qui s'envolent. Duck Hunt. Ah ouais, ça remonte, ça. Où t'as le chien qui se marre quand tu loupes les canards. Vous avez un portail. Hein. Ah, je me souvenais pas de ça, tiens, par contre. Je me souvenais pas de ce détail. T'as pris le portail ? Arrête là. Ok. Avant de vous aventurer dans l'antre de Diablo, allez à la forge de l'enfer avec la pierre d'âme de Mephisto. Placez la pierre. Ces fumiers d'anges là qui, genre, ils se baladent en enfer sans aucun problème et puis ils se permettent de donner des ordres, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, il te dit je peux pas t'aider, tu te débrouilles tout seul. C'est ça. Non, tu n'iras pas. Mais non, tu n'iras pas. Ça suffit, je vais le dire à la maîtresse, sinon... On n'a pas trouvé le... Ah, on a pas la pierre. La forge, pardon. On n'a pas trouvé la forge, le forgeron. Elle est classe ton épée, Karn, la rouge, là. C'est un truc unique, ou... Ouais, c'est une épée unique. J'espère que c'est regardable, Dolgar, le live, parce que j'avoue que là... OBS me dit que c'est la merde quand même. Hein. Ouais, bah pareil, ici c'est un peu galère. Ah, de toute façon, t'as la VOD. Ouais, de toute façon, il y aura la VOD, mais bon, c'est quand même moins fun quoi. Ah. Ah bah voilà, journal de quête. Ah non. Ah ouais, il est là. C'est 5 à la limite, effectivement. Ouais, il y a du monde. Ah, mais bon, avec 5 pièges de feu, c'est propre, hein. Attends, la frénésie, c'est vrai que c'est quand même abusé pour le barbare, quoi. Alors là, il y en a que un seul de nous trois qui pourra faire la quête. Donc, bah, vas-y, ah. Vas-y, signe, non, on l'a fait 12 fois en let's play déjà. Attends, je regarde si les gants de cuir de démon ils seraient pas mieux que ce que j'ai, carrément. Je me dis que des gants en cuir de démon je dois pouvoir les porter. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Barre-toi! Pas assez de mana. Du coup, j'imagine ce que tu voulais dire, c'était qu'il fallait que je prenne le marteau, on est d'accord? Quand tu disais qu'il y en avait qu'un oui, qui pouvait c'est le faire. Ça. Tu prends le marteau et puis tu poses ta pierre dessus. C'est impossible. Et puis ah oui, tu ramasses tout ce qui tombe. Faut que j'équipe le marteau. Tiens, la pierre oui, de Mephisto, elle est là. Bim. Bim. Ah, attends, bim. On va te la rapprocher. Ah mais t'avais une pierre de Mephisto toi aussi. Ah ouais, je l'avais. Incroyable. Ouais. On va reprendre la baguette quand même. Ce serait ballot sinon. Bon. Est-ce qu'il va être un petit peu moins balé dans le cul du coup le... L'ange là. Ouais. Tête de démon, ce serait pas un truc pour moi ça? C'est du blanc, c'est nul.
c'est marrant. J'ai l'impression que ton cri me booste moins maintenant. J'ai dû virer un truc qui me donnait du mana. Pas pourtant, non. Je l'ai même augmenté, il est à 44% là maintenant. Ouais, mais j'ai moins de mana de manière générale. Vie, mana et endurance. C'est juste que j'ai moins de mana, je dois avoir moins de mana de base. Ah oui, ah, je suis redescendu à 80, j'ai dû changer un truc. C'était peut-être ma baguette qui me donnait du mana, beaucoup de mana. C'est pas grave. On après, peut normalement, pour les lanceurs de sorts, c'est le mieux, c'est le plus sain en aptitude, quoi. Ah bah oui, on est d'accord. Hein. Bah, le mana, je peux mettre des potions, quoi. Mais... Il faudrait que tu trouves une épée 4 trous pour faire le mort unique spirit dedans. Bah déjà je suis content avec ma baguette verte que tu m'as donnée là. C'est parce que ça te donne 80 de mana je crois en plus et ça te donne 2 skills. Plus de skills. Oh ah ouais. C'est carrément la violence, ça doit être de ça qu'il parlait tout à l'heure, Dolgar il parlait d'une arme mais je crois qu'il avait dit 2. Bah ouais Dolgar, Duck Hunt, je crois que c'est notre enfance à tous malheureusement. Ou heureusement je ne sais pas. En tout cas c'est loin. En tout cas, c'est loin, ouais. Carrément. Rapidement. Qui c'est qui me balance des boules de feu dessus? Montre-toi. Un cracheur de feu. J'adore parce que j'affronte le démon, mais alors mon Michel là. Il est là, tranquille, il glande, il me regarde, il marche à côté de moi. Aucun problème, quoi. Très bien. Trop chargé. Tiens, est-ce que tu voudrais pas ce grand homme? Voilà, ce sera mieux. Tac. Bon, car on s'est déjà... trompé de côté, en fait. Ouais, ouais, pendant que nous, on galérait à buter 4 démons, car il est en train de nettoyer toute la zone. Nickel. C'est ouf. Pas se tromper avec un chemin. Après j'ai un peu plus de stuff aussi. Ça se sent. Ah, on entend des bruits de pièces qui tombent, on se rapproche. Par contre vous les entendez mais vous les voyez pas. Ah, ça doit être le lag. Alors là, faut se méfier avec eux parce qu'ils peuvent me one-shot. Ouais. Comme ils font des malédictions où je me renvoie mes dégâts. Encore à corps. Qui c'est qui fait ça? Les espèces de mages, je sais pas comment ils s'appellent. Je suis trop chargé. Ceux qui tirent les boules de feu et les poisons. Là. Ah oui, je les vois. Je vois de quel tu parles. En fait, ils font la même malédiction que toi, où ils renvoient des dégâts au corps à corps. Ouais, quand tu tapes, tu fais des dégâts. Ouais. Ouf. Ouais, puis les lance-flammes dans la tronche. Je dois trouver de la mana. C'est la violence. Un locabre. Invocateurs de tempête là, ils sont coincés dans le mur. Ouais, il faut... des fois on peut pas les avoir, des fois faut avancer et puis après. Il y a rien. Je suis trop chargé. Je te demande de ramasser des potions de mana et t'es trop chargé. Bah écoute, tu vas me poser ça un peu. Scandale, je prends des dégâts malgré mon bouclier d'os. Merci de décéder. Ah, faut que j'aille en ville réparer mon épée.
Après, c'est un petit peu le problème de la frénésie, c'est que ça t'abîme tes armes vite fait, quoi. Ah bah oui, tu tapes plus fort, donc forcément. Je dois trouver de la mana. Oh, le truc qui draine du mana, là, c'est l'enfer. Bah du coup, je prends ton portail. Tu m'en vas pas. Vas-y, vas-y. Toc, la fameuse Iron Maiden. Je suis désolé, je l'ai pas. Dolgar. Ah, Chobiti me dit que c'est de la musique. Iron Maiden, oui, c'est de la musique. C'est de la musique, c'est du métal. C'est du métal. Du heavy metal même, je crois. Après, les gens vont me haïr parce que encore, voilà, je connais pas bien les trucs et tout. Ça, franchement, je vais le virer. C'est beaucoup trop encombrant pour que dalle. Tac, 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 tac. Toi, casse-toi. Allez, je vais arrêter de ranger, ça sert à rien de toute façon pour l'instant. Voilà. Non mais c'est marrant parce que c'est la preuve que ça lag, tu sais, c'est quand tu cliques sur un objet pour le déplacer et le fond devient rouge. C'est genre rouge vif, genre non non t'as fait de la merde, je le ferai pas. Le temps que ça s'active quoi. Tu me dis quand c'est bon pour toi pour le portail parce que si je le prends je le ferme après. Ouais, je regarde juste vite fait parce que oui. S'il n'y aurait pas un peu de stuff. Il a un harnois de guerre qui fait que c'est moins 20% de conditions, du coup je pourrais le mettre, mais il n'y a rien d'autre donc c'est un peu nul quand même. Plus 4 au point de vie, donc c'est à chier. C'est à chier. Et toi, machine, t'as quoi? De la merde. Si mon perso veut bien courir, j'arrive. Voilà. C'est bon, je l'ai pris. Ah bah y'a Lia qu'on a ouvert un 22 mètres plus loin. Ouais bah c'est pas perdu les portails ici. Non. Ouh, du monde. Oh putain sa maman. Oui donc c'est pas moi qui tank hein, on est d'accord. Non, y a probablement un sacré délai Dolgar. J'avoue que ce soir c'est un petit peu la merde là. Bon, j'en ai 19 des parchemins de retour en ville et j'utilise les portails des autres quand même. Donc je pense que je peux m'en passer, Chobiti, t'en fais pas. Sinon tu les revends comme ça tu te fais du bénéfice. Ouais, mais tu prends le portail des autres et tu les revends. C'est ça, ouais. Qui c'est qui a cassé le saut? Non! Non, ils arrivent! Insensible au feu. C'est ballot ça. Alors, ce qu'il faudra faire gaffe, c'est en bas, les sauts, faudra être prudent parce qu'ils font mal les autres tout en bas là. C'est les cracheurs de feu là, il y a un champion, il tape vachement fort. On nettoie un peu avant peut-être de le lancer ou on y va comme ça à la fraîche. T'as combien de force Moi ? Le signe ? Ouais. Actuellement 46. D'accord. C'est fou derrière lui. Matt, t'es toujours là, on t'entend plus.
c'est vrai, son perso bouge, mais Ah, mais il est mute. Ah, là c'est mieux. Ah oui, là c'est mieux. Mieux. Ok, là ça doit être bon. Je confirme. 22. On t'entend. Okay. Allo, allo, tu nous entends? Ouais, parfait. Non, oui, j'étais là, tranquillement. Rien de particulier à dire. C'est le jeu où pas on se concentre mana, un peu, quoi. Voilà. C'est ça que ouais, tu dis. Non, c'est plutôt la fin de journée, tu vois, qui a été bien longue. Ah, ça. Et, voilà, les mots me manquent. Le saut est activé. On entend Karn qui est en train de fight les boss tout seul. Non, Karn est mort. Incroyable. Je trouve un portail dans la mêlée par contre, si tu veux. Tracer. Oui, ça marche, merci. Là, c'est le problème des. C'est ceux qui font les malédictions, ceux-là. Ah, j'ai perdu Michel aussi. J'avoue. Je suis en train de me galérer. Tu veux crever ou pas? Ouais, merci. On ne devrait pas savoir qui... Je ne sais pas savoir qui a fait ça, mais il y en a un qui m'a volé ma thune. T'avais combien? Non, c'est pas grave, j'en ai plein dans le coffre. Ça doit être le truc auto là quand tu marches oui, dessus, ça ramasse. Ça va être le truc auto, bien sûr. Oh, le mec, c'est les futurs quality of life, voilà. C'est ça, exactement. C'est à cause du lag. Oh purée. Voilà. Mad, il est puni. Bon, de toute façon, c'est facile. Qui a dans son inventaire plus de 150 000 balles? Moi, je n'ai que 30 000. Voilà, donc, du coup, moi j'ai que 19 000, donc t'as pas volé ta thune, t'as halluciné. T'avais combien? Je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Non, des saloperies qui drainent le mana, tuez-les! C'est parce qu'il me reste plus que 27 pièces d'or, c'est pour ça. Je me dis tiens. Oui, normalement elles sont par terre. D'accord. Mais alors, ce serait dommage de les laisser traîner. Et là, c'est sur ces sauts-là où il faut faire attention parce qu'ils tapent fort les démons invoqués. C'est toujours les mêmes qu'ils invoquent à chaque saut, de partie en partie? Oui. D'accord. En haut, c'est les vizirs. Enfin, les esprits là. Et sur ceux-là, c'est les gros démons. Attends, il y a un mec qui est parti. Ouais. C'est ce que j'étais en train de penser. Pas aussi. Du tout. On dit que ça va être dangereux. Qui c'est qui fait un portail pour retourner en ville? Non, il mais a... il se trouve, j'ai trouvé un petit peu de thunes, du coup j'allais au marché vite fait. Voilà, il se trouve que j'ai ramassé un peu de thunes sur un cadavre. Il y a eu un super loot. Et... ça, c'est le champion, c'est sûr. Le champion, il a fait tomber plein de pièces d'or. Ça passe, franchement ça passe. Bon, j'active. Vas-y. Ouf. Ah ouais, putain quoi. Ça va, les mecs ils déconnent pas quoi. Bon bah on tire dans le tas les gars. Allez go. Merde, il y a Michel qui est en train de se faire buter. Ah, j'ai pas eu le temps de le soigner, c'est bien triste. On s'en souviendra, Michel, on se souviendra de toi, t'inquiète pas. Bon, ça va. Ça a été géré. Oula. Oula. Fuyez. Je vais chercher Michel. Je suis sûr qu'il va être très utile, il faut absolument qu'il soit là. Ah oui, Karn et Joe fight. Ok, parfait, go. Go. Ah, le rayon de l'enfer de Diablo là. Ouais, le rayon là il pique. Ouais, d'ailleurs, on va se mettre à l'opposé de Karn. C'est à dire, on l'entame, hein? Bon,
Bon, il a défoncé Michel, mais bon, on va dire que ça a encaissé le DPS un peu. Tout ça, c'est grâce à ma malédiction qui fait qu'il prend des dégâts. Die, die. Wow. Ça pique. C'est bizarre parce que j'entends le bruit de potions que je bois, mais ma vie ne remonte quand même pas. Parce que le jeu essaierait de laguer. Bah c'est parce que t'as le temps en fait là, c'est pas instantané comme dans Diablo 3. Oh oui non mais je sais, t'as, le, t'as la, la vie qui remonte, mais là juste elle ne remontait pas quoi. Ça faisait ça, rien c'est quoi. Fait. Oh le loot de merde. Ouais, il a pas été généreux. Ah j'avoue là. Il faut parler à Honda, à Andariel. Lapsus à Tyrell. Dolgar qui dit à force de smut comme ça, on va l'appeler Sœur Mutness. Sœur Mutness, mais tout à fait. Why not? Ah, j'ai même pas réussi à monter mon niveau 27 quoi, c'est la tristesse. Attends, il me faut du meilleur stuff quoi, c'est pas possible. Attends, j'ai des objets, c'est, ils sont pas blancs mais presque quoi. Masque solide de l'esprit, ouais. Y'a plus qu'à aller détruire le fessier du dernier démon, le fameux trou de balle. Tout à fait. Oh bah bravo. Merci pour cette participation d'Olgar. C'est élégant. C'est élégant, exactement. Ouais, c'est un peu mieux. Bon. Alors, nouvelle vidéo. Yep, la petite cinématique. Peut-être se la garder pour le début de l'épisode. Il y en a deux de suite, des vidéos au cas où. Ok. Bah, du coup, effectivement, on va arrêter la VOD là. Et puis, on va lancer les petites cinématiques. T'es pas parti allez, déjà hein, à tout de suite. À tout de suite. Ciao, ciao.